Salut la famille, je suis en train de lire un peu sur plusieurs pages sur Facebook la motion de soutien pour Cindy B. Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être vous avez raison, hein. Mais en ce qui me concerne, je veux savoir, vous parlez du soutien, le soutien de quoi? Pourquoi ce soutien? C'est le nom de Cynthia Fiangan qui est ça, là. Quand je vois cette histoire qui se passe entre Pifo et Cindy, ça me rappelle l'histoire de William Senou avec une petite là. Quand William Senou bouffait le Njangi, une petite était venue sur la toile ici là nous dire que oh, il me fourmillait pas l'anus ici. Les gens ont pu pitié de la petite. D'autres ont même pleuré. Trop de compassion. Pourtant, tout ça, c'était le buzz. C'est pas parce qu'on a l'habitude de crier sur Pifo. Moi, j'ai fait plusieurs sorties pour dire Pifo, oh, elle montait. Non, ici, là, non. Ici. Non. Moi, je n'encourage pas ce qui n'est pas normal. La petite, là, est arrivée en Côte d'Ivoire. Vous ne même pas demander qui l'a amenée en Côte d'Ivoire. Elle arrive en Côte d'Ivoire. Posez-vous d'abord la question. Elle a fait comment pour faire une vidéo avec le général Makosso? Vous comprenez que c'est une petite fille qui est d'abord, mais qui est rodée, mon ami. C'est une petite fille sense. Elle a le sense, elle est sensée. Elle a fait comment pour rencontrer le général Makosso? Fait pour que Makosso accepte s'afficher avec elle. Makosso nous avait dit une fois dans sa vidéo, moi j'ai suivi, pas que j'ai entendu à quelqu'un, que pour qu'il accorde encore son image, même à la télé, c'est au moins 30 millions. Donc pour qu'il accepte même s'afficher devant la caméra de quelqu'un. Mais la petite là est arrivée pendant la CAN et a fait une vidéo. Makoso a encore fait la vidéo avec qui? Elle a créé d'abord un buzz qu'elle était la fille de Makoso. Ça a bougé toutes les lignes. Moi, j'ai dit que, hey, Makoso, le pasteur fait quoi comme ça? Pourtant, même les filles de Makoso étaient sûres que non. C'était une vérité. Oh, c'était un chemin que la fille là a tracé, mon frère. Donc, comprenez que la petite fille là est d'abord rusée. Elle est prête à tout pour le buzz. Donc, ce qui se passe maintenant là, ce n'est pas loin de ce qu'elle nous a d'abord fait croire avec Makoso. Bon, vous une motion de soutien. Qui l'a amenée en Côte d'Ivoire? Ses parents? Son mari? Ou bien son petit ami? Son frère, membre de la famille? Non. Elle nous parle d'un tonton qui avait donné 300 000 à Pifo. Son tonton, un tonton, premièrement, qui n'a pas de nom. Un tonton qui est aux États-Unis. C'est quel tonton? On ne sait pas. Mais vous encouragez même quoi comme ça? Le Maroc, c'est demain. Elle va encore aller au Maroc. Quand ça va encore la coincer, vous allez encore venir dire motion de soutien. Moi, je n'encourage pas des choses comme ça. Elle laisse son domicile à Yaoundé, où elle dort paisiblement, tranquillement. Pour aller se coucher sur les canapés, demander les maisons, machin, machin. Est-ce qu'elle était obligée d'aller en Côte d'Ivoire? Bon, comme nous, là, nous ne sommes pas allés en Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus des humains, nous ne sommes plus des Camerounais, nous, on n'a plus de vie. Bon, ceux-là qui sont partis, aujourd'hui, là, quand on se place là, la différence, c'est quoi? Dites-moi. Mais bon. Vous allez dire que chacun a ses envies, chacun a son choix, chacun, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas parti, j'ai dit que je n'avais pas d'argent. Mais elle-même, elle n'a pas d'argent, elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle court. Vivre en Côte d'Ivoire pendant la CAN, ce n'était pas l'ami de quelqu'un. Quand vous dites qu'elle n'avait pas l'argent, c'est parce qu'il n'y avait plus les renseignements. C'était plus une histoire d'un million, de 2 millions. Il fallait avoir l'argent. Aujourd'hui, c'est les pleurs de bolets partout. Même si tu viens chez moi, même si tu es vacancier, même si tu viens pour une semaine, tu me dis que tu ne peux pas seulement nettoyer même la table à la maison, tu ne peux pas laver même le sol, faire les petits, les nécessaires, le ménage là. Tu me dis que tu ne peux pas faire ça. Mon frère, tu vas vivre chez moi comment? Tu vas vivre chez moi comment? Tu es dans une maison où tu es, disons, la seule fille, parce que l'autre fille qui était là, bon, on dit qu'elle a son argent, elle pouvait manger mal à l'hôtel, elle pouvait manger où elle veut, parce qu'elle avait son argent. Toi, tu es la seule fille, c'est toi qui demandes la maison pour habiter. Et c'est toi qui dis que tu ne fais rien. Même quand tu demandes la maison, mon frère, tu vas quand même faire l'essence, le minimum pour flatter celui chez qui tu vis.
Bon, supposons que c'est vrai tout ce que tu racontes. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens donc nous balancer ça sur la toile? Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi depuis que tu es rentré, tu n'es pas allé, tu ne connais pas la route du 7? Tu ne connais pas la. Il n'y a pas le commissaire, il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas. Pourquoi tu n'es pas allé porter plainte à Pifokeu quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, il a fait ci, il a voulu te. Tout ma, machin, truc, tout ça, par force. Parce qu'il ne veut pas prononcer le mot là. Hein, pourquoi tu n'es pas allé dire ça? Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Non, il a fallu qu'un faux truc, ou c'est qu'un voice, ou c'est l'audio de Tingding, sort un vieux truc même. Pour que tu viennes nous verser tes trucs, machin. Toi, qui a payé ton visa, ma fille? Pour que tu partes en Côte d'Ivoire. Qui a payé? Cindy B, qui a payé ton visa? Qui a payé ton billet d'avion? Que tu arrives en Côte d'Ivoire. Qui a payé tout ça? Maintenant, les autres qui t'ont hébergé. Comme j'ai suivi, que tu étais, après tu étais avec les brigades des bus. Les autres qui t'ont hébergé là, c'était sur la base de quoi? Tu étais qui pour eux? Parce que moi, je sais, rien n'est pour rien sur cette terre. Quelqu'un va sortir son argent comme ça, t'héberger, machin, gratos. C'est impossible. C'est impossible. Rien n'est gratuit sur cette terre-ci. Bon, t'héberger sur quelle base? Dis-nous. C'est trop facile de prendre la caméra et mettre là et raconter du n'importe quoi. Hôtel m'a voulu. Où sont les preuves? Moi, je vous ai toujours dit ici, là, que les amis, évitez déjà les choses qu'on va venir chaque fois mettre la caméra et faire des accusations. Sans preuves, montre-nous les captures. Au moins, si tu as envoyé un message, bon, tu as montré un vieux truc hein, en 2021 qui te demandait quoi au Cameroun, machin. Bon, pff, ça ne suffit pas. Pour moi, ça ne suffit pas. Toi, sachant le buzz, si c'était vraiment, tel était vraiment le cas, tu devais même actionner ton téléphone, mettre même l'enregistrement audio. Ouais, moi, je vous connais les petites filles. Tu devais enregistrer tout ce qu'ils disaient pour balancer sur la toile au moment venu. Quand tu rentres, tu ne dis rien. Tu restes dans ton calme. Tu rentres dans un silence total. C'est quand les choses prennent feu, comme les voix. Bon, les histoires disent que oh, machin, tu ne te lavais pas, c'est lui sur le sabotage. Une fille ne peut pas faire 2 jours, même 3 jours, même 2 jours, même c'est impossible. Sinon, tu vas tuer les gens là-bas, dans la maison, avec les odeurs. Là, c'est juste le sabotage. Mais je dis encore, ma fille, ce que tu fais là, vraiment, méfiez-vous de dire n'importe quoi et n'importe comment. En tout cas, c'est vous deux, hein. Toi et puis, faut vous connaissez ce qui s'est passé. Peut-être tu viens bavarder aujourd'hui comme ça, que peut-être tu as même foum. En tout cas, les amis, bonne journée. Bonne journée. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, 2 chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.